Parlez-moi des enfants. Docteur Halsey. Vous êtes au courant de tout. Vous les avez enlevés. L'esprit des enfants est plus perméable à l'endoctrination. Leur corps supporte beaucoup mieux les transformations. Nous avons ainsi créé le soldat suprême. Et grâce à notre réussite, nous étions prêts lors de l'invasion Covenant. Docteur Halsey, vous changez l'histoire en votre faveur et vous le savez. Vous avez créé les Spartans pour écraser la rébellion humaine, pas pour lutter contre les Covenants. Lorsque les mondes humains tombaient l'un après l'autre, que mes Spartans étaient la seule chose qui puisse empêcher l'extinction de l'humanité, personne alors ne se préoccupait vraiment de savoir pourquoi ils avaient été créés. Vous estimez donc que vos choix sont justifiés. Mon œuvre a sauvé la race humaine. Pensez-vous que l'absence d'humanité des Spartans y a contribué? Que cherchez-vous? J'ai vu des espions de la marine avant vous. Mais vous, vous êtes différent. Les Spartans avaient des tendances légèrement sociopathes. Côté socialisation et verbalisation, ils étaient... Ils ont fait preuve d'une efficacité absolue en situation de danger. C'est moi qui ai fourni les outils qui ont permis tant d'efficacité. Mais est-ce que vous pensez que le Major a réussi parce qu'au fond, il était brisé? Que vient faire John dans cette histoire? Vous voulez le remplacer? Le Major est mort. Son dossier, lui, dit qu'il est porté disparu. Catherine. Les Spartans ne meurent donc pas? Votre erreur, c'est de considérer les Spartans comme du matériel militaire. Mes Spartans sont l'évolution des humains. Notre destin en tant qu'espèce. Ne les sous-estimez pas. Et surtout... Surtout, ne le sous-estimez pas. Thank you.
Réveillez-vous. J'ai besoin de vous.